Anton a trop envie de marcher le long de l'eau et de s'offrir une énorme provision d'images. Le soleil descend d'un cran. Déjà le soir, déjà, le canal lui chuchote de longs poèmes. Douce drogue. Un énorme pont, il continue. Chacun de ses pas lui procure un plaisir inouï. Le ciel enfile une robe de soirée. Parme, violette, rose saumon, ciel androgyne. Et soudain, ces lampes qui s'allument à sa gauche, lampes multicolores d'une péniche amarrée qui diffuse une musique feutrée. Anton s'arrête net, ébahi, fasciné. Devant lui, sur la gauche, une montagne de trams. Une très haute montagne de trams jaunes, merveilleusement imbriquée. Sculpture gigantesque, caressée par une lumière de plus en plus chaude. Irrésistible. C'est là qu'il va passer la nuit. Là-haut. Et il léchera les orteils du ciel. Il approche à pas de loup. Plus loin, il distingue une autre montagne, moins élevée, et composée de vieilles bagnoles, presque mortes, bonnes pour la casse, probablement. Une grille métallique. Le site est déjà fermé, bien sûr. D'abord, étudiez le lieu. Il se poste à 4 mètres de l'entrée, aperçoit un berger allemand qui tourne en rond. Il doit s'embêter fermement. Tant mieux. Plus aucun véhicule sur la chaussée. Le silence. Et c'est un éternuement qui brise celui-ci. Bon, un gardien, ça va donner du piment. Anton est à 2 mètres de la grille. Le chien l'a repéré, a aboyé 3 fois. Ne pas trop tarder, car le soleil va atteindre l'horizon. Anton s'accroupit, envoie des ondes à l'animal, lui fait sentir qu'il adore les chiens, les éléphants et les souris, lui murmure des mots doux. Le berger le fixe, se dirige lentement vers lui, curieux. Anton puise au plus profond de lui-même et lui offre des phrases extrêmement tendres. Le chien aime ça, en a peut-être besoin. Le chien est à présent très près des barreaux. Anton ne bouge pas d'un poil. Il poursuit sa chanson d'amour. L'animal se colle soudain aux barreaux, trop attiré par cet humain. Un jeu d'enfant, la montée et la descente de la solide grille. Prendre le sens opposé pour éviter le gardien. Le berger talonne gaiement l'intrus tellement sympa. L'intrus qui s'est caressé, autre chose que ses gardiens méprisants. Et voici Anton au pied de la montagne. Le soleil s'éclipse. Il entame l'escalade avec des gestes sûrs, souples, félins. Comme s'il accomplissait ça chaque jour. Jubilation. Trouver les points d'appui, s'éloigner du sol, s'approcher du ciel. L'animal assiste au spectacle, ravi. Il voudra applaudir. Anton accède au sommet. Il tâtonne un peu, repère une ouverture et s'introduit dans le tram qui couronne la montagne. Il sourit jusqu'aux oreilles, comme un gosse. Mais il veut aller jusqu'au bout de l'aventure, prendre possession de la cabine. La porte résiste. Il rassemble ses forces et elle cède. Et le voici installé aux commandes, prêt à filer à la pointe du firmament. Il lâche un cri de victoire, comme quand il était môme. Aux commandes, comme quand il travaillait dans ce cirque russe, installé dans la régie. Lui, le maître des lumières. Comme ce soir-là en particulier, pendant le numéro de trapèze. Justement, la lumière. Un rayon lui chatouille les paupières. Anton en trouve un œil. Déjà le jour ? Qu'est-ce qu'il a roupillé ? Comme un bébé. Il se redresse, se crispe soudain parce qu'il aurait voulu quitter le site à l'aube, discrètement. Raté. Plus une seconde à perdre, d'autant qu'il capte des voix là tout en bas. Il se met à rire tout seul, à se moquer de lui-même. Mesquin tout cela, ridicule. Anton sait maintenant que la récré s'achève et ce fut fabuleux. Alors offre-leur un bon numéro
avant la fin. Il surgit du tram surélevé, accueille le soleil par un grand « Hello !» puis lance à travers l'espace un sonore « Bonjour !» Et qui réagit ? Le berger allemand, avec d'échappement complice. Anton a déjà entamé la descente, encore plus souplement qu'hier, car la lumière l'aide quand un gars l'interpelle. « Hé, qu'est-ce que vous faites là ? Je m'amuse ! C'est interdit !» L'échappement couvre la phrase suivante. Un autre gars, un troisième, les ouvriers sans doute. Anton rayonne. Il a un public, comme avant, dans ses numéros magnifiques. Alors, il en rajoute un peu. Hop, un poirier parfait sur un toit jaune. Puis la roue, ça fait du bien, ces exercices matinaux. 5 spectateurs, c'est excitant. Bravo, s'écrie un mec blond qui filme la descente. On a appelé la police. C'est parfait, clame Anton qui prolonge le plaisir. Il a pu caresser le chien. Juste avant de pénétrer dans la camionnette des flics, il a donné un plein d'amour à travers ses doigts dans le pelage. Et là, entouré des flics, il est heureux, radieux. Je suis l'évadée d'hier. Ma récré fut splendide. Maintenant, vous allez, s'il vous plaît, me reconduire chez moi. En route pour la prison. Menotté. Anton ferme les yeux, s'offre le film de son évasion. Ah oui, chaque image est splendide. Et voici la séance de la cabine. Lui, aux commandes du tram aérien. Comme quand il était régisseur. Lui, perché là-haut devant son matériel sophistiqué. Le numéro de trapèze. Son regard aigu sur le mec, très musclé, trop musclé. Son regard aigu sur elle, Olivia. Olivia qu'il avait dans la peau. Olivia qu'il étreignait depuis un an, une symbiose de feu. Puis Olivia qui un soir a détourné le regard. Olivia qui se laissait doucement séduire par ce trapéziste aux muscles trop saillants. Alors, là, dans sa minuscule cabine, il a guetté l'instant propice, la fraction de seconde idéale dans le double saut périlleux. Et il a, brutalement, éteint tous les projecteurs.